Ils sont au total 726 Ivoiriens qui ont regagné la Côte d'Ivoire au terme du rapatriement volontaire initié par le gouvernement. Le cinquième et dernier avion, en provenance de la Tunisie, a atterri le mardi 14 mars à 19h. Il avait à son bord 145 personnes, dont 7 bébés. Tous ont été accueillis par le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Au nom du gouvernement, au nom du président de la République, au nom du gouvernement et j'allais dire de tous les compatriotes ivoiriens, nous sommes venus souhaiter la bienvenue et bon retour au bercail à nos frères. Et nous espérons qu'ils prendront toute leur place dans le processus de développement qui a été engagé sous la sage direction du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Selon Kakou Ouajaléon-Adom, 2000 Ivoiriens seraient candidats au rapatriement volontaire. En initiant cette mesure, le gouvernement a débloqué une enveloppe d'1 milliard de francs CFA.